www.casarima.fr. Sois béni en esprit. Oh, je veux t'adorer. Alléluia. Je viens t'adorer, Jésus. Alléluia. Je veux t'adorer. Alléluia. T'adorons, Père. Toi qui sais comment Père, nous t'adorons. Alléluia. Père, nous t'adorons. Shalom, chers amis téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Le fou de Jésus qui croit à la RDC. Le fou, le passionné du Christ, qui croit à ce que Mboka Oyo un jour est changé. Bandeko, c'est ça l'héritage que nous pouvons donner à nos enfants. Je ne peux jamais dire à mes enfants, écoutez, chers enfants, que vous êtes dans un pays qui ne changera jamais. Non, je ne le dirai jamais. D'ailleurs, je me réponds de toutes les mauvaises phrases, les mauvaises paroles que nous avons prononcées à l'endroit de la RDC. Bandeko, c'est notre seule patrie, c'est notre seul héritage. Voilà pourquoi toujours le bas global shift, c'est le temps où nous croyons que le Seigneur est en train d'agir pour la RDC. Les choses vont bouger automatiquement. Le Seigneur est au contrôle dans ce pays et on commence déjà à constater des résultats. Les lignes sont en train de bouger et nous nous croyons que quelque chose de bon est en train d'arriver pour la RDC. Bandeko, j'ai l'habitude de recevoir pour vous des serviteurs de Dieu. Pour aujourd'hui, c'est un autre serviteur de Dieu que Dieu nous donne. Il est très connu de partout. C'est l'Église de Christ en mission, basée à Londres, mais aussi à Kinshasa et partout ailleurs. Un homme aussi médiatique, il n'est plus à présenter. C'est le prophète Dieudonné Toukala. C'est lui qui va nous entretenir pendant les quelques minutes qui vont suivre. Agopé Sabiso, pensez au Nzambe, à Tie Katinaye, pour la RDC, pour le Congo, pour les Congolais et partout où vous êtes. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je m'en vais rapidement. Vous laissez le suivre et nous reviendrons dans la deuxième partie, comme nous avons l'habitude de le faire, pour un échange à propos de ce qui sera dit tout à l'heure. Donc, vraiment, soyez branchés, suivez cet homme, il parle bien et vous ne serez pas déçus. D'emblée, j'ai dit que Dieu bénisse la RDC et qu'il bénisse son serviteur, le prophète Dieudonné Toukala. Suivez. Nous sommes unis en esprit. Oh, je veux t'adorer. Oui, bonjour, chers téléspectateurs. Bonsoir, là où vous êtes, dépendant du temps pendant lequel vous nous suivez. Je suis très content d'être parmi vous et dans vos maisons pour vous parler de quelque chose qui est très important. Vous savez, en vrai Congolais, nous voulons seulement donner de l'espoir à tout celui qui croit au changement pour cette nation. Mais ma parole sera basée d'une étude comparative de Congolais par rapport à un peuple qui y a aussi marché avec Dieu et qui continue à marcher avec Dieu. Et c'est le peuple d'Israël. Vous savez, le peuple d'Israël, la vie du peuple d'Israël, j'allais dire, est au centre de la Bible. Et la vie du peuple d'Israël, c'est vraiment un rétroviseur qui montre à suffisance comment un peuple peut partir du néant et arriver quelque part avec le Dieu, l'Éternel, des armées. Vous savez, un jour, un groupe de juifs ont bien voulu composer un psaume. Et ils l'ont attribué à David, qui est le roi par excellence. Et ils ont dit ceci. Je cite Psaume chapitre 126, verset 1. Il dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Quand l'Éternel
ramena les captifs de Sion. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils ont assisté à certaines choses qui semblaient ne pas être résolues pendant des décennies, pendant des temps et des siècles, mais qui enfin étaient arrivées au point d'être résolues. C'était en fait quoi? Vous savez, le peuple d'Israël, quoi qu'il soit avec Dieu, mais c'est un peuple qui a connu beaucoup de déportations et d'exil et d'esclavagisme. Vous savez, une fois ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves, ils étaient menacés par les Philistins, par les Assyriens, par beaucoup de nations. Et finalement, la Bible déclare que le peuple d'Israël est allé en esclavagisme, en captivité même, en Babylone, sous le règne de Nabucodonosor, le roi Nabucodonosor. Et quand ils sont allés en captivité, la Bible déclare que toute la nation n'avait plus d'espoir, simplement parce que la captivité de Babylone s'est faite en trois phases. La première phase était une captivité pacifique, là où le roi Nabucodonosor a amené captifs des gens comme Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, et c'était sous le règne de Joachim, du roi Joachim. Ils sont partis en Babylone, que quoi que cela soit, une captivité pacifique, mais c'était une captivité. Et après, ils sont passés par la captivité massive, la deuxième captivité, par la désobéissance du roi Joachim, qui était le fils du roi Joachim. Et la Bible déclare que le peuple est allé massivement en captivité, simplement parce que le roi Joachim ne voulait pas payer l'impôt et obtempérer aux ordres du roi Nabucodonosor. Et cela a fait que le roi Nabucodonosor puisse envoyer ses troupes pour massacrer Israël. Ils ont amené des gens captifs en Babylone. Et le pays continuait à s'engloutir sans espérance. Et ils sont restés quand même un nombre. Mais par la grâce de Dieu, quand il a arrêté le roi Joachim, il va placer un autre roi du nom de Sédécias. Et pendant le règne de Sédécias, la Bible déclare que ce roi n'a pas à bien commencer. C'est comme nous voyons au Congo. Beaucoup de gens que Dieu utilise pour diriger les peuples, souvent ils commencent bien. Mais après, ils arrivent toujours au point de gâcher. Voilà. Le roi Sédécias, finalement, a échoué. Comment? Il est tombé dans le piège du roi Joachim. La désobéissance à celui qui t'a donné, la désobéissance à celui qui t'a donné la royauté. Et finalement, il a désobéi au roi Nabucodonosor. La Bible déclare que le roi Nabucodonosor est arrivé là pour la troisième fois. Il a encerclé toute la nation, disons, tous les pays. Aujourd'hui, vous savez, le Congo est comme un pays encerclé par les ennemis. Là où les sorties et les entrées ne sont plus gentilles. Et le peuple d'Israël est passé par ces choses. Mais la Bible dit, après 18 mois d'encerclage, et le roi Nabucodonosor avec son troupe, ils ont fait un trou à travers lequel ils sont entrés en Israël, à Jérusalem même. Et alors, la Bible déclare, ils ont arrêté le roi Sédécias, ils ont arrêté les gens en désordre, ils ont massacré les gens et ils les ont amenés captifs. La troisième phase était encore une phase de trouble, une captivité massive et pénible. Ils n'ont laissé dans les pays que les gens inutiles, que la Bible appelle des pauvres. C'est-à-dire qui? Des paralytiques, des sourds, des muets, des détraqués mentaux. Ils ont laissé des gens apparemment inutiles. Et ce qui était grave, le roi Nabucodonosor a pris aussi tous ces gens apparemment inutiles
Il a mis sur eux un chef du nom de Nabuzaradan. Et la Bible dit, c'est roi qui dirigeait le pauvre, les inutiles, était là. Et à un moment, quoique ces gens étaient dans la souffrance et ils n'avaient plus d'espérance, ils étaient des nécessiteux. Ils avaient eux-mêmes avaient besoin de l'aide parce que physiquement, ils n'étaient pas au point. Le roi Nabucodonosor va encore leur changer un autre chef du nom de Gedalia. Alors les juifs de diaspora ont vu cela, ils ont dit non. Trop c'est trop. Il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà pourquoi, bien aimé, je vais vous dire ceci. La délivrance du Congo peut aussi venir de la diaspora. C'est-à-dire, il faut que les gens qui sont ailleurs, qui ne sont pas dans le pays, puissent penser à la réussite et au bien-être de la nation. Qui croient que Dieu est pour les Congo et qui peuvent faire quelque chose. Les juifs de la diaspora sont venus. Ils ont tué le roi Gedalia, c'est-à-dire le chef de l'armée que Nabucodonosor a mis. Et là, maintenant, Nabucodonosor va faire le massacre d'Israël. Il l'a détruit. Et c'est pendant ce temps-là, pendant la deuxième phase, il a détruit la muraille de Jérusalem, il a détruit le temple. Et quand il est venu, parce qu'on a tué son chef, il a massacré même les pauvres. Oh, mais écoutez, c'est ce que nous voyons au Congo. Même les plus démunis est encore sacrifié à la misère. Mais écoutez, tout ce que je viens de vous dire, bien-aimé, a un sens spirituel et a des similitudes à ce qui se passe dans cette nation. La Bible dit, après 70 ans, vous savez, bien-aimé, longue soit la nuit, le jour apparaît toujours. Et après 70 ans, la Bible déclare, Dieu va susciter quelqu'un. Écoutez, cela est dans la méthode de Dieu de susciter toujours quelqu'un pour la délivrance de son peuple. Je vais dire à quelqu'un qu'il est de la méthode de Dieu de susciter toujours quelqu'un pour la délivrance de son peuple. Je répète encore, il est de la méthode de Dieu de susciter quelqu'un pour délivrer son peuple. Vous savez, vous pouvez avoir la royauté sans être mandaté par Dieu. Vous pouvez avoir le pouvoir sans être mandaté par Dieu. Vous allez fournir beaucoup d'efforts, mais la délivrance du peuple ne se fera pas. Je vais vous dire une chose, écoutez bien-aimés. Construire des maisons, construire des routes, construire des hôpitaux, construire tout ce que vous pouvez construire ne signifie pas que vous faites sortir le peuple de la misère ou de la captivité. Je ne parle pas en termes de politiciens. Je suis apolitique. Mais je vais dire ceci, que quand quelqu'un est mandaté par Dieu, c'est alors qu'il a le pouvoir de la délivrance du peuple. Je ne parle pas de la délivrance d'une personne, mais je parle de la délivrance d'une population. Et le Seigneur a suscité un homme du nom de Zorobabel. Et à travers lui, accompagné de Josué qui s'est occupé du sacerdoce. Et ce duo de Josué et Zorobabel, ils ont pris tous les peuples de la captivité de Babylone, partant du centre même de Babylone. Ils ont pris le peuple et ils ont fait sortir le peuple de cette captivité. Mais quand ils sont arrivés au bord du fleuve de Babylone, c'est-à-dire ce qui était, nous pouvons dire la frontière même entre Babylone et Israël, ils devaient traverser ce fleuve qu'on appelle le fleuve de Babylone. Et quand ils sont arrivés là, vous savez, le peuple d'Israël, c'était un peuple, et il est encore un peuple doué dans la musique, dans l'adoration de Dieu. Ils sont qualifiés à cela. Alors, pendant que les Babyloniens sont venus et les ont accompagnés pour se séparer avec eux à la frontière,
ils leur ont demandé s'ils pouvaient chanter un cantique à leur Dieu. La Bible déclare, ils disent, non, nous ne pouvons, si on a chanté avant, c'est parce que nous étions en captivité. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas chanter un cantique. Nous ne pouvons pas chanter un cantique à l'Éternel dans une terre étrangère. Bien aimé, vous savez, je vais vous dire ceci. Il est important pour ceux qui sont même ailleurs, qui ne sont pas dans le pays, par moment de rentrer et de faire des choses pour la délivrance de son peuple dans les pays. Alors les Juifs étaient là, ils étaient en train d'assister comment cela se passait. Et c'était comme un rêve. La séparation entre les Babyloniens et les Israélites. Bien aimé, vous savez, un peuple qui a vécu ensemble pendant 70 ans. Donc, ils avaient des amitiés, des affinités. Mais ils devaient abandonner cela parce que le Seigneur veut les délivrer. Écoutez, quand le Seigneur délivre son peuple, il y a toujours des choses à abandonner. Mais ce qui est important aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire? Cela était sous la direction d'un homme, Zorobabel. Écoutez, ils sont arrivés à Jérusalem et à travers Zorobabel, accompagné de Josué, ils ont réussi à rebâtir toute la nation d'Israël. Peuple congolais, écoutez-moi. Il n'y a pas de délivrance du Congo sans qu'il y ait quelqu'un que le Seigneur puisse élever et donner la vision pour que le Congo sorte de cette captivité. Les élections sont bonnes, nous sommes d'accord. Tout ce que la politique fait, c'est bon. Mais au plus longtemps que la politique ne tombera pas sur la personne que Dieu a préparée afin que la délivrance du pays arrive, nous allons faire mille et une élections, mais la misère continuera. Peuple de Dieu, je vais vous dire ceci, que dans ces pays, il y a encore des Zorobabel. Dans ces pays, il y a encore des Josué. Nous voulons que le peuple congolais puisse savoir qui a reçu le mandat, pas des hommes, mais de Dieu, pour la délivrance de ces peuples. Je parle en termes de, en tant que prophète, que dans ces pays, il y a des Zorobabel, il y a des Josué. Voilà pourquoi nous devons écouter et Dieu à travers ses serviteurs et savoir qui doit faire quoi pour que la délivrance de cette nation arrive. Cependant, je vais vous dire que Dieu est encore avec nous. C'est comme un rêve que Dieu veut sauver le Congo. C'est comme un rêve que Dieu veut délivrer le Congo. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis dans ces programmes et qui croyez aussi, vous qui croyez que le Congo est au point d'être délivré par l'Éternel des armées. Parce que je crois sans défaillir que la délivrance de cette nation doit toujours venir de l'Église, doit toujours venir du peuple de Dieu, doit toujours venir de Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas de délivrance. Sinon, une délivrance éphémère. Nous voulons avoir des choses solides. Nous voulons avoir des choses posées afin que le Congo passe d'un point A au point B, mais avec un changement complètement radical. Pas un changement éphémère, non, un changement radical. Nous voulons que les Congolais se réjouissent comme le peuple des autres nations qui peuvent dire que « Oh, je suis fier d'être Congolais parce qu'ils mangent bien, parce qu'ils peuvent recevoir tout ce dont ils ont besoin. Parce que Dieu est à notre camp. Que Dieu bénisse tout celui qui a été fidèle dans ce programme et qui a suivi ces quelques paroles. Que Dieu vous bénisse. Nous t'adorons. Bon, Bandego, c'est bien un exposé. On a dit Katinayo. Namkousse, prophète. Mouniango est assemblable entre RDC et Israël, na battant loco là haut, on a moni au Kenya, au Mémiango un peu rapidement. Quelles sont les similitudes? Moi, beaucoup caninini a moqué et coco tindika biso pétonie. Merci, Pasteur Blaise. Ce qui n'a qu'au co étalé quelques similitudes au Yézali entre peuple d'Israël, na République démocratique du Congo. Première similitude des alliés.
Israël a sa peuple et Nzambe. Congo pe a sa peuple et Nzambe. Et ngi koloba Nzambe apona mboka oyo. Ba prophète ba loba depuis longtemps. Oyo baza ba misu baza ba congolais ba misu baza ba congolais te na ba midi le pasteur Blaise. Nga na zala na ba conférence oyo tozan na ba américain ba anglais ba mindele ya toutes sortes. Mais oyo tango na tei okoyoka mundele azui révélation. Alobi ke non tango prophète oza kote ya na moni Nzambe alobi na ngai ete mboka epai ya uki eza mboka oyo Nzambe apona wana atata musu politisye moko kuta za wana te ngi koloba ke Nzambe apona mboka oyo nazala na ba conférence musu awa na Kinshasa na ba palais du peuple na ba ba mindele musu ba uti na bango ba mérite ba Europe mais okoyoka tango baye sans flatterie ba koloba sans avoir foi aux yeux que mboka oyo eponama epai na Nzambe. Prophète, ça c'est le premier similitude. Et c'est le deuxième. Deuxième, Esali. Et deuxième similitude, Esali, soumission à la volonté de Dieu. Peuple d'Israël, parce que ma ponam n'est pas dans Zambé. Pour ça, dans Zambé, et Zalakana Israël, attambola kaka ndenge yenza balingi. Soki amedi kotambola ndenge yenza balingi te, Nzamba soumeta kabango la souffrance. Il y a un autre monde, un peuple d'Israël. Nzamba pesi bango échec na benemi na bango. Nzamba pesi bango a memeli bango ba captivité. Nzamba memeli bango ba nzala. Bible zo ezo lo belabiso na tina na si. Non, sept châtiments. Oh, Nzamba memara toujours. Tango, peuple a lingo tambo la negi a lingite. De l'autre monde, on aussi na Congo. Parce que peuple a lingi kotambo la negi Nzamba lingite. Nzamba zo memama kambo oyo. Tango so kori komituna. To sala nini yango po Nzamba tika biso boy. Mais eza simplement parce que Nzamba lingi to sala ndenge ye alingi. C'est-à-dire mboka lokola Congo, mboka lokola Israël, il faut y vivre une certaine théocratie dans la démocratie. Quand je parle d'une théocratie dans la démocratie, elingi koloba démocratie na biso koko za lokola démocratie ba tout société. Merci prophète. Dans la préoccupation, Moussousou, je crois que moi, ma similitude des Ali. Tu as une émission beaucoup plus élaborée. Mais mon tour, Moussou et Ali, tant que lobby, il faut qu'il y ait un Zorobabel. Il y a un Zorobabel. Alors, dans le cadre de Nabiso Congo, vous voulez que Zorobabel soit un homme ou que Zorobabel soit un état d'esprit qui caractérise tous les Congolais et si Kanye Souya Kosa. Pasteur Blaise, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas d'état d'esprit sans leader. C'est-à-dire quoi? État d'esprit est kotaka pa inapato. C'est-à-dire, quand je parle de l'état d'esprit, je parle d'une mentalité oyo est s'imposée pa inapato nyonso. Oyo moto nyonso animi yango negwana. C'est-à-dire, un changement de mentalité. Yo nga ye to komi ko réfléchir ndenge moko. C'est ça. Maintenant, eyakate, ce qui leader mon kwazate, oyo a imposé état d'esprit wana. Pour batoba réfléchir boy, pour batoba zwa koma boy, pour batoba kende boy. Nzoka Congo, problème ni toza nango. Non, mutu nyonso, eza na batu musu lelo toza na 2014, mais ya vivra toujours na état d'esprit ya 1934. Hein? Donc, s'il n'y a pas de Zorobabel, il n'y aura pas aussi d'état. Non, c'est impossible. Alors, pasteur Tukala, Nazar, sur la préoccupation, Moussoso, sur laquelle il banda, Kotali, c'est un peu. Bino Boza Batboza, basé en extérieur. Mais chaque fois qu'on vous rencontre, quelles sont vos premières réactions? Boni Mokanabino, Mokanabino. On a comme l'impression qu'il y a un divorce entre le Congolais qui est resté ici présent et le Congolais qui est à l'étranger. Est-ce que nous pouvons arriver à rebâtir un pays s'il y a un divorce entre ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur? Merci, Pasteur Blaise. Nga na vandaka na Kinshasa. Na vandaka pe na Congo, te naza basé en Angleterre. Et l'ingo lo baké naza, na kwe ko lo baza Congolais à diaspora. Ok? Na uti lo bango awa. Mwa balanga j'aime non, mboka na bino. Votre pays là, il fait chaud. Tant que koli na ngiri ngiri, mboka tu sais que na grand hôtel. Mboka bino, ça va pas, ça va pas,
ça va pas. Et maman, ton colino à la bandane. C'est un peu ça ma préoccupation. Prophète, moi la Makala. Moi la Makala. Hein? Hein? C'est-à-dire? Là, c'est qui pousse les Belges et les Anglais à connaître aussi Makala. Voilà. Mais si on commence à dire Makala, c'est Londres et que Bandal, c'est Paris. Là, si on est au courant de ça, moi ça me choque, prophète. Nous sommes selon la place. Donc voilà. Nganaza contre la Batonio, c'est la diaspora. Oyo bakomo na Congo loko la bazane loko malonga ko zwate. Non, ça c'est faux. D'ailleurs, na uti talé na exposé na ngai que tango makambe koma ki tina souka pe na ba pauvre ka batikali na mboka. Ba to bazana tina kututi. C'est alors diaspora telemaki. Et diaspora ne sala kini. Et zongi na kata Jérusalem. Et bomi gedalia chef oyo et nani. Et il y a un système qui est en gouvernement pour Nabucodonosor a frappé dur, mais à l'ensemble, à l'obacé, on t'a vu qu'on dit ce qui vit sur ton âme, quelle que soit ma condition, ton vivant à la monnaie, ton place dans ce qu'on a dit. Mais les Congo, c'est notre pays. Et le gars, tu vois que le langage, le colaté, que mon cannabis, t'es mon cannabis. Et mon cannabis est toujours lité na changement na yango, toujours lité na délivrance na yango. Et là au cas peut-être bato diaspora tant au sud donc au cas condamné là bato bazana quand tant au sud na ba oba ba kanga na ba kanga te et ça peut-être que to le mal kaka bato yo ba congolais bazana kati ya mboka bango moko on dirait baza conscienté na urgence ya changement ya Congo. Voilà pourquoi papa. Ceux qui les lozongi ok par exemple na ailleurs les bandes à Congo ont remarqué congolais à diaspora azolinga on dirait qu'on veut changer les lolo bilbosika. Il y a des choses azan la posa zonga la mboka azan la posa zonga la mboka et eza la bilo comme sous au bateau ba congolais ba faire na kati ba acceptaka au le ba congolais na bande ba acceptaka te donc tu accepteras te dans sens mais comment vous avez na copie exemple mon côté facile. Hein? Étant congolais, aucune nation n'a moqué et modifié la constitution avant les élections. T'as la même histoire, mais dans Congo, peu importe, t'as une année avant l'élection, t'as deux ans avant l'élection, ma corrigé dans ma constitution, pour pas zone à sous le peuple à quatre ans dans la carabou. Alors, nous sommes la moto pendante, mais na za à politique, mais politique elle s'intéresse à la peine en pour attendre la bonne information. Vous comprenez? Vous pensez que prophète, qu'il y a encore de l'espoir? C'est là ma dernière question. C'est en monsieur comme la souka. Il y a de l'espoir et que bah congolais tous se décourager dans la Congo. Parce que quand on commence à jeter sa carte d'identité, quand on commence à se dire, parce que on vous rappelle toujours. Même si tu es anglais, tu es américain et tu es français, mais on dit toujours d'origine congolaise. Alors je pense que détail voilà pour ça qu'on a un prophète. Alors est-ce qu'il y a encore moyen de continuer à espérer que les choses peuvent changer, que nous continuons à aimer ce pays? Pasteur Blaise, laisse-moi te dire, étant prophète, à ma qualité de prophète, nous avons confirmé en gros, le Congo ne pourra pas changer. Mais doit changer. Et qu'on change, dit en anglais, absolutely, definitely. Parce que nous avons un contrôle, il y a nion sur la Congo. Nous avons un contrôle, nous avons un contrôle. Nous avons un contrôle, nous avons un contrôle. Nous avons un contrôle, nous avons un contrôle. Mais à 23h59, une minute est égale, pour me coller ici, nous avons un téléphone. Et tant qu'on a téléphone, papa, na mona ba na Congo na za congolais na mona ba kondimusu ba za na Congo. Parlons de Mobutu par exemple. Oyo mundela zo benga même roi du Congo, d'accord? Mais tant qu'on zamba telemaki Mobutu a qu'on se défendre tant a coufa qui même na ba condition moko méprisable qui puisse exister, hein? Merci beaucoup, prophète, de donner tout cas là. Un dernier mot. Un dernier mot, Nakoloba, à tous les Congolais. Soumettre sa vie
Soumettre sa volonté à la conduite de Dieu, c'est un pouvoir qui change tout. Ce qui est congolais, à quoi soumettre vie naïe, à quoi soumettre politique naïe, à quoi soumettre volonté naïe, na conduite en Zambie, wana changement koyakaka. Mais au plus longtemps, tu peux soumettre nion son conduite en Zambie, tu peux le changement, mais koyana ngote. Tu peux gagner un changement, mais koyana ngote. Et pasteur Blaise, et là, quand ils ont un côté, à taille aux autres, ils ont un côté. Ils ont un côté. Ils ont un côté. Ils ont la chemise. Ils ont un côté. 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 Ils ont tout le monde, tout politicien, pour le monde, les Congolais ont bien. Mais les Congolais ont un côté. Ils ont un côté. Merci beaucoup. Je pense que c'est là la conclusion. Il y a le prophète Dieudonné et tout cas là. Et je pense que Bandeko Moko n'a pas reçu un message. Chaque intervenant a un regard. Chaque intervenant a une vision que Nzambe a fait. Ici, c'était l'interpellation pour ceux qui sont et à l'intérieur et à l'extérieur. Mais aussi, un rappel que ce qui nous arrive était déjà arrivé à Israël. Aujourd'hui, Israël est là où ils sont aujourd'hui, grâce à la foi, grâce à l'espérance et grâce à l'attachement aux promesses de l'Éternel. Nous croyons que Dieu est capable, autant qu'il a délivré Israël, il est capable de délivrer aussi la RDC. Que Dieu bénisse la RDC, Hallelujah. Que Dieu bénisse les Congolais. Nassimi phrase mon bon prophète Alobi. Attends à 23h59, les choses changeront. Allez. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes unis en esprit. Oh, je veux t'adorer. Alléluia. Je viens t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer. Alléluia. Jésus. Alléluia. T'adorons, Père. Toi qui sais comment nous aimer. Nous t'adorons. Alléluia. En exclusivité, tapez www.casarema.fr.